Bon, bah, ça avance bien mon affaire. J'ai déjà 4 pousses qui n'avaient pas de racines, 4 rejets en fait que j'ai récupérés de la plante mère. Et j'ai fait un petit bricolage ici. Je les ai mis, en fait, j'ai découpé un cul de pot de fleurs en plastique. J'ai agrandi certains des trous et j'ai passé ça à travers. Du coup, ça évite que les tiges tombent en fait dans le réservoir à eau. Donc voilà, ça m'en fait 4. Donc une ici au centre, la deuxième là, la troisième là, toute petite, et la quatrième ici. Et ça c'est... Alors j'en ai 2 qui ont déjà des racines, donc celles-ci je vais les replanter directement, chacune dans un pot individuel, comme ça elles se développent toutes seules et les racines ne seront pas entremêlées. Et voilà mes pots, bah, basiques, hein. C'est vraiment... J'utilise toujours des gobelets comme ça. 2 gobelets l'un dans l'autre et avec des petites j'ai découpé en fait, j'ai fait des petits trous ici pour permettre à l'eau de s'évacuer. Le deuxième gobelet du coup c'est pour garder ça tout propre. Voilà, tadam, et ça c'est ma plante mère, mon bégonia Angel Wing qui est juste sublime. Voilà, Angel Wing parce que bah, tout simplement la feuille La forme de la feuille ressemble à une aile d'ange. C'est beau, c'est poétique. Voilà. Des petites taches comme ça qui ne sont pas blanches en fait. Ça passe très très mal à la caméra, c'est dommage, mais en vrai c'est argenté. C'est très très beau, c'est irisé. Et l'envers de la feuille est rouge bordeaux comme ça.